tout le monde. Art, voilà. Il faut que tu signes les plans de sa mort, hein. Ça doit partir ce matin. C'est à quelle heure le rendez-vous avec Joubert? 10h. Ça signifie que t'as un quart d'heure pour y aller. La fondation a appelé, ils veulent absolument nous voir. Et dernière chose, il y a quelqu'un qui t'attend dans ton bureau. Bonjour. Ange Pagani. On se connaît. Ah bon? Non, je sais pas, je demande. Je m'appelle Gabrielle Meyer. Il faut absolument que je vous parle. Ah oui, mais là, je suis désolée, j'ai un rendez-vous, je pars dans 3 minutes. Je peux vous laisser avec mon assistant? C'est à propos de ma fille. Elle s'appelle Claire. Claire. Elle a 17 ans. Elle est enceinte. Peut-être, mais je ne connais pas de Claire de 17 ans, donc je vois vraiment pas en quoi je peux... Elle est enceinte de votre fils, monsieur. Il lui a fait un enfant, il est parti. Vous comprenez le problème? Le seul problème que je vois, madame, c'est que je n'ai pas de fils. Donc je suis désolé pour votre fille, pour vous aussi, par la même occasion, mais je vais vous demander de partir parce que j'ai beaucoup de travail. Non, attendez. Vous n'êtes pas le père de Simon? Je ne connais pas de Simon. Vous n'êtes pas le père de Simon, Camille? Qu'est-ce qui vous a dit ça? C'est sa mère. J'ai couché 2 fois avec cette fille. 2 ou 3 fois, pas plus. Et à l'époque, j'étais loin d'être le seul. On s'est perdu de vue. Elle m'a rappelé 2 ans plus tard pour me dire que j'étais le père de son fils. Bref, à l'époque, j'ai mis les choses au clair. Et je suis plus qu'étonné qu'on revienne me faire chier avec cette histoire, 20 ans plus tard. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a dit que vous étiez le père de Simon? Non mais attendez, vous avez entendu ce que je viens de vous dire là ou faut que je répète dans une autre langue? Bon, enfin moi, vos histoires personnelles, ça m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est que l'enfant de ma fille est un père. Je veux, mais lui apparemment il veut pas. Vous attendez quoi de moi là? Eh bien que vous mettiez Simon en face de ses responsabilités. On met pas une fille enceinte comme ça pour après se... Eh bien demandez à sa mère de lui parler. Mais je l'ai fait. Mais alors elle est d'une désinvolture. Elle m'a dit que Simon était majeur et vacciné. Elle m'a raccroché au nez. Eh bien pour une fois, je trouve qu'elle a eu raison. Allez, hop, c'est l'heure. Il faut y aller. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. S'il vous plaît, par là et ça. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a en jeu? Je sais pas bien là. Je peux avoir un verre d'eau? Asseyez-vous. Une chaleur ici. Vous chauffez au gaz? Électricité. Ah ben c'est pour ça. Remarquez, pareil, qu'ils font des choses très bien maintenant. Oui, bon, ça va mieux là. Je veux pas d'histoire, vous savez. Mais vous imaginez un peu ce que ça signifie d'être enceinte comme ça à 17 ans. Enfin, pour comment est-ce qu'aujourd'hui on peut tomber enceinte comme ça sans l'avoir décidé? Ah bah, ben, on est jeune, on oublie de prendre sa pilule et quand on découvre qu'on est enceinte, il est trop tard pour... Bon, cette fois, il faut vraiment que j'y aille. Écoutez, cette histoire est désolante, mais comme je vous l'ai dit, ça ne me regarde pas. Bah, vous êtes gentille, vous êtes charmante, mais je ne vais pas pouvoir vous garder plus longtemps. Non. Je partirai pas avant que vous m'ayez promis d'appeler Simon. Attendez, j'ai son numéro de portable. Si vous l'appeliez maintenant, 5 minutes, juste pour prendre contact, ça serait déjà énorme. Dites-moi un truc, votre fille sait que vous êtes là? J'attends d'avoir des éléments concrets à lui donner. Alors en voilà un. Il ne faut rien attendre d'Ange Pagani. Bonjour chez vous. Attendez! Mais Simon fait un blocage à cause de vous! Il faut que vous lui disiez que vous regrettez de l'avoir abandonné, surtout lui demander de ne pas faire la même erreur. Je peux monter dans ma voiture? Non! Lâchez cette portière! Non! Lâchez cette portière! Non! Descendez! Descendez! Arrêtez cette voiture! Non, 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 non! Ah! Salopard! Folle! Cinglée! Alors? Vous êtes bien certain que c'est un lumbago? Non, parce que j'ai mal de plus en plus souvent. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je sais pas. Une hernie discale. Une dystrophie musculaire. Une compression du popité externe. Bon, je sais, c'est la jambe, mais... Vous savez qu'on peut rester paralysé. Alors, 1. Vous allez prendre des anti-inflammatoires pendant 10 jours. 2. Il faut arrêter d'aller sur Internet. Et puis 3. Je vous suggère de mettre la pédale douce sur les activités physiques, monsieur Pagani. Vous n'avez plus 20 ans. Autre chose, un furoncle, une écharde, un ganglion inquiétant.
Il y a un cancer. Ça va. Regarde ce que j'ai acheté. J'ai décidé que tous les mois, je lui achèterai un vêtement. Comme ça, quand il naîtra, ben, il aura déjà ses petites affaires. Je vais m'en sortir, hein, tu sais. C'est pas parce que j'ai 17 ans. Ah non. Vous avez des hémorroïdes? Non, mais je suis pharmacienne. Alors d'abord, il y a une pommade à mettre en couche épaisse. Et puis surtout, manger des fibres, beaucoup de fibres. Vous buvez assez? Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai quelque chose à vous montrer. Ah, mais où est-ce que je les ai mises? Qu'est-ce que c'est? C'est Simon, avec Claire. Je m'en fous. C'était à Pâques, en Corse, avant que... Il a fait beau? Là, c'est Claire, photographiée par Simon. Et là, c'est lui. C'est Simon. Il est beau, non? Il a quel âge, déjà? 21 ans. Il en fait 13. Oh non, je suis pas d'accord. Regardez comme il est bien bâti. Très fin, très élancé. Puis alors, il a des yeux. Regardez, là, sans les lunettes, on les voit mieux. Bon, et alors? Eh bien alors, si vous regardez bien dans les détails... Simon vous ressemble un peu, non? Regardez, là. Le sourire. Vous me prenez vraiment pour un imbécile. Ah non, pas du tout. Le sourire, ça m'a frappé quand je vous ai vu. Non, et puis il n'y a pas que ça. Il y a la présence, le charme. Vous imaginez si c'était votre fils. Tout ce temps perdu. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Je n'ai pas de fils et je n'en veux pas. Eh bien, vous devriez. Simon est brillant et puis c'est un garçon très courageux. Vous savez que pour payer ses études, il travaille le soir dans une boîte, le Barouf. Vous connaissez? Non. Vous pourriez le rencontrer, lui parler. Attendez, je vous ai mis son numéro de téléphone, là. Et puis si dans la conversation, vous pouviez lui faire une petite phrase pour ma fille. Bien votre agence? Bon. Je crois qu'on va arrêter de tourner autour du pot. Combien vous voulez? C'est l'argent que vous voulez, c'est bien ça? Ça marche bien votre agence? Faut arrêter de me prendre pour un con. Hein. Allez, 15 000 euros. Ça va aller, 15 000 euros? Hein? Mais je vous préviens. Vous les prenez et vous disparaissez. Je ne veux plus vous voir. Mais dites donc, je suis encore chez moi, non?
Mais ça va, hein? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas de travail, là? C'est normal, ça, que ça fasse pchit quand j'écoute. Et t'as arrêté d'écouter pour voir? Ça m'inquiète. Pourquoi tu l'invites pas à boire un petit café? Ça engage pas à grand-chose, ça, un petit café. Non, pas question. Tu vas boire un petit café, tu te retrouves à être caution pour un appartement à 3000 euros par mois, je connais la chanson. Non, mais c'est pas la question de l'argent, hein. S'il a vraiment besoin, bien sûr. Si tu fais rien, la tigresse va revenir à l'agence avec un flingue, et elle va tous nous buter un par un, comme des lapins, hein. Pou, pou, pou. Elle en est capable, hein. Complètement folle. Mais c'est vrai que vous avez un peu le même sourire. En biais. Pauvre con. Monsieur Pagani? Oui, c'est nous. Vous voulez bien me suivre? Oui. Allô? Vous êtes Simon Camille? J'allais partir. Et je m'assieds quand même ou je... Ouais, assieds-toi, mais j'ai plus beaucoup de temps, je te préviens. Qu'est-ce que tu bois? Jus de fruits, limonade? Un café? Deux cafés, s'il vous plaît. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Sciences éco, je suis en première année de master. Ouais. Il y a des débouchés? Oui. Et t'habites où? Dans le 14e, ma mère a acheté un appartement. Ah, t'as un logement, c'est bien. Merci. Elle est sympa, ta moto. C'est pratique, le deux roues à Paris. Mais alors, qu'est-ce que c'est dangereux? Je connais un mec, un photographe, beaucoup de talent. Il s'est fait coincer entre un camion poubelle et un abribus. Il a eu la jambe complètement déchiquetée, de là jusqu'en bas. Et maintenant, il passe toutes ses journées à l'hôpital de Garches, au service des grands traumatisés, avec des broches qui lui sortent de partout. Je suis allé le voir une fois, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Vous m'avez fait venir pour me parler de l'hôpital de Garches? Non, j'espère que t'es prudent, c'est tout. Surtout maintenant que tu vas avoir un enfant. C'est Claire qui vous envoie? C'est sa mère. Elle prétend que si tu veux pas de l'enfant, c'est à cause de moi. Je lui ai expliqué que notre situation était très claire. Mais alors, je sais pas ce que tu lui as dit. Rien. Je lui ai jamais parlé de vous. Non, parce que tout a toujours été très clair entre ta mère et moi. Elle te l'a dit, j'espère. Ah ouais, tout a toujours été très clair. Bon, tu vas me dire que je suis pas la personne la mieux placée pour venir te parler de tout ça. Mais peut-être que si, justement. Parce que si moi, je suis pas ton père, toi, en revanche, et tu m'arrêtes si je me trompe, il semblerait que tu sois vraiment le père de cet enfant. Ah, mon vieux, ça change tout.
très bien qu'à ton âge, on ait envie de rester libre, de parcourir le monde, de vivre sans attache. Non, je suis pas comme ça. Ah bon, il t'arrive bien d'avoir envie, de temps en temps, de t'amuser, de sortir, de rencontrer des filles et... Non, pas spécialement. Bah, et donc, t'es vachement sérieux, hein, comme garçon. Moi, ton âge... Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Je savais bien que c'était pas une bonne idée, cette rencontre. Pourquoi t'es venu, alors? Bah, je sais pas. Pour voir votre tête. Bon, écoute, moi, je fais ça pour rendre service, hein. Je m'en fous, moi, que Claire soit tombée enceinte. Elle est pas tombée enceinte. Elle a arrêté sa pilule volontairement, sans me le dire. Je croyais que c'était un accident. Bah, la prochaine fois, vous renseignerez un petit peu mieux avant de venir me faire la morale. Vous parler? Je m'occupe de madame. Ça sera pas long. Ah. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai rencontré Simon. Alors maintenant, vous allez me foutre la paix. Vas-y, parle de Simon, tu peux. Oh. Comment ça s'est passé? Très mal. Mais je l'ai vu et je lui ai parlé. Alors je vous préviens, je vous vois encore une fois rôder autour de mon agence. Merde, vous avez dû le braquer. Et vous m'avez bien manipulé. Mais dire que Claire était tombée enceinte par accident. Tout ça pour que j'aille sermonner Simon, franchement. Elle a quand même pas fait exprès d'oublier sa pilule. Eh ben si, figurez-vous. Alors la prochaine fois, vous vous renseignerez un tout petit peu mieux avant de venir nous faire la morale. C'est pas possible. Ah oui, vous êtes déçus, bien sûr. Mais je vais vous dire, vous êtes pas la seule. Parce que Simon, entre nous, il est bien loin d'être aussi formidable que vous me l'aviez chanté. Je l'ai trouvé arrogant, désinvolte. Vous pourrez dire à votre fille que le jour où il l'a plaqué, elle a fait une bonne affaire. C'est pas possible. Le seul truc positif, c'est que maintenant, je suis certain que c'est pas mon fils. D'abord, il a les jambes arquées. Ça doit être le moto. Et puis, il y a une sorte de petite coquetterie dans l'œil. Ça vient pas de chez moi, ça. Hein. D'accord, il n'y a pas que des Apollons dans la famille. Mais enfin, quand même, on a les yeux en face des trous. Enfin, bref, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. J'ai plus rien à voir avec ça. Par contre, si j'étais vous, votre fille, je lui passerai un sacré savon. Parce qu'entre nous, c'est vraiment une fouteuse de merde. Mais puisque je dis que c'est pas possible! Ça fait deux gifles. Je vous préviens, il n'y en aura pas trois! Tout va bien? Très bien. Ordonnance! Tu peux venir deux minutes, s'il te plaît? Bonjour, madame. Bonjour, Charlotte. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que t'es tombée enceinte volontairement? T'as vu Simon? Non, son père. Réponds-moi, Claire. Son père? Putain, mais c'est pas vrai, maman. C'est toi qui l'as appelé? Dis-moi la vérité, merde! Mais je comprends pas, qu'est-ce que ça change? Tu sais comment ça s'appelle, ce que t'as fait? Ça s'appelle faire un enfant dans le dos! Tais-toi, là. Tout le monde me regarde. Mais pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien! J'avais envie d'avoir un petit bébé, un truc à moi, c'est tout. Un truc à toi. C'est à quelle heure l'échographie demain? 9h. Avec le bébé. C'est grave? Je sais pas. Il paraît que c'est un RCU, un retard de croissance in utero, un truc comme ça. Mais le médecin, il a dit quoi? Rien, il a dit qu'il fallait faire des examens complémentaires et qu'il allait t'appeler pour t'expliquer. Tu crois qu'il faut s'inquiéter? Ah non, surtout pas.
C'est juste ça, il est tellement mignon avec ses petites... Je peux entrer ? Non. Et je vous préviens, hein, si vous levez la main sur moi, j'appelle les flics. Je voulais vous dire que vous aviez raison pour Claire. C'était pas un accident. Ah ! Qu'est-ce que j'avais dit ? Je voulais m'excuser aussi pour la gifle. Les gifles ? Ouais, enfin, la première, vous l'aviez un peu méritée. Mais, pardon, j'espère que vous voudrez bien m'excuser. Au revoir. Bon, je vous excuse. Même si j'ai bien peur de garder des séquelles. Non, mais ça va, c'est juste un petit sifflement. Le bébé a un problème. Ah bon ? On suspecte un RCIU. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Un retard de croissance. À 14 semaines, le fœtus mesure 11 cm. Et alors, c'est grand, c'est pas grand ? Ah non, c'est pas grand, c'est même beaucoup trop petit. Venez, venez, entrez, entrez, venez vous asseoir. Asseyez-vous. Faut peut-être pas s'inquiéter autant. À quoi c'est dû, ce truc ? Ben, ça peut être que le placenta fonctionne pas bien. Mais ça peut être dû aussi à une infection, une malformation. Alors là, si c'est ça, c'est... Dans le premier cas, le bébé sera pas viable, ça arrangerait tout le monde. Allons, faut pas dire ça. Et puis, je suis sûr que ce petit va repartir. C'est costaud, les bébés. Regardez-moi, je suis né avec 10 jours d'avance. Est-ce que j'ai l'air d'un prématuré ? Allez, courage. Oh, je m'en veux tellement. Mais c'est quand même pas vous qui avez poussé Claire à avoir ce bébé. C'est pas vous. Mais non, mais seulement je l'ai élevée toute seule, moi aussi, alors... Ah bon ? Enfin, moi, je vous jure que c'est un accident. Je sais pas, je me dis que, inconsciemment, peut-être qu'elle reproduit un schéma. Écoutez, vous n'êtes pas plus responsable des actes de Claire que moi, ceux de Simon. Surtout que moi, c'est pas mon fils. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la santé de ce bébé. Alors, il faut dire à Claire d'aller bien, de bien s'alimenter et surtout de bien dormir. C'est important le sommeil, c'est capital pour la croissance. Merci. Et puis vous arrêtez de vous inquiéter, ok ? Ok. Vous êtes bien sans les lunettes, ça vous donne un petit air perdu, fragile. Ça va mieux ? Au revoir. Au revoir. Bonjour Madame Meyer, c'est Ange Pagani. Je voulais vous dire, je me suis renseigné sur le RCIU. Voilà, alors il semblerait qu'il y ait 70% de chances pour que le retard du bébé soit dû à un problème psychologique de la mère. Alors je me dis que c'est sûrement ça. Voilà. Alors bonne journée. Au revoir. Thank you.
message. Oui, c'est encore Ange Pagani. Je voulais vous dire aussi que je connais pas mal de monde dans le milieu hospitalier, donc si vous voulez que Claire soit vraiment entre de bonnes mains, n'hésitez pas à m'appeler. Au revoir. Moi, je vous ai laissé 5 messages. Vous n'avez pas eu ? Faut entendre le clic. Oh ! Vous n'avez pas eu mes messages ? Si, bah, je vous ai pas rappelé parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Mais dans ces cas-là, on laisse un petit SMS. En disant, monsieur Pagani, merci pour vos messages. Je n'en ai pas de nouvelles, mais quand j'en aurai, etc., etc. Dites-moi, vous m'écoutez quand je vous parle ? Mais ça vous fait du bien. Vous êtes un tout petit peu trop habitué à voir tout tout de suite, au moment où vous l'avez décidé. Les gens sont pas à votre botte, figurez-vous. En tout cas, moi, je suis pas à votre botte. Mais je demande gentiment des nouvelles de votre fille, je me fais engueuler. Non, c'est formidable, ça. Mais Claire va très bien, et le bébé aussi. Il a presque complètement rattrapé son retard. Voilà. Il fallait simplement attendre. On a quand même le droit de prendre son temps pour grandir, non? Ah, mon bus arrive. Merci pour vos messages. Vous n'êtes pas libre à dîner, par hasard, pour fêter ça? Non. Et demain? J'ai pas mis vos lunettes. Je les mets pas tout le temps. Un petit peu de champagne? Oui, d'accord. Stéphane, t'as du champagne, s'il vous plaît. On est souvent ici. C'est un endroit que j'aime bien. Les femmes aiment beaucoup la lumière, un peu. Les femmes. Et vous alors? Les hommes? Non, juste pour savoir. Vous êtes seule, vous avez quelqu'un? Ben, j'ai eu des relations par le passé. Beaucoup, d'ailleurs. Enfin, je veux dire... une quantité normale, hein, pas non plus... Mais là, vous êtes seule? Oui, oui, mais tout va très bien. Je suis très bien seule. Et puis j'ai ma fille. Merci. Jamais mariée? Non. Et vous? Ouh là là, non, non, non. Pas de mariage. Pas d'enfant, pas de mariage, mais beaucoup de femmes, si j'ai bien compris. Si c'est la mère de Simon qui vous a dit ça? Non. Il suffit de vous regarder. Ah bon? Vous avez essayé d'analyser votre rejet de la paternité? Votre père vous battait ou quelque chose? Ah non, non. Mon père était très bien. Trop, peut-être. Vous avez peur de pas être à sa hauteur, c'est ça? Vous voulez pas être un père médiocre? Mais pas du tout. Je crois simplement que j'ai pas l'instinct de reproduction. Sans doute parce que j'ai un peu trop l'instinct de liberté. Enfin, la liberté de passer d'une femme à l'autre, moi j'appelle ça plutôt de l'égoïsme. Parce que faire des enfants, c'est pas égoïste, peut-être? Vous savez très bien que les enfants, on les fait que pour soi. Oh, ça, c'est un conventionnel, ce que vous dites. Vous croyez libre et original, mais en fait, vous êtes pétri de principes. Quel rapport avec les principes? Et puis oui, parfaitement, j'ai des principes. Et contrairement à ce que vous pensez, refuser d'être père, c'est pas forcément être lâche. C'est même plutôt le contraire. Vraiment? Mmh. Expliquez-moi, ça m'intéresse. Alors, au début, c'est facile. Mais après, au fur et à mesure que les années passent, que vos amis font leur foyer, leur famille... Vous êtes toujours tout seul?
Sans femme, sans enfant. Bon, ok, vous l'avez décidé, mais... C'est dur de garder le cap. De résister aux tentations. À Noël, les vacances, les anniversaires. Vous avez qu'une envie, c'est de balancer tous vos principes. Prendre le téléphone, appeler, dire... C'est vrai. Vous pensez aux anniversaires de Simon? Je parlais des miens, là. Vous croyez que c'est marrant de souffler ses bougies tout seul? Écoutez, je suis désolée, mais vraiment, je vois pas ce que je fais là. Bah, vous allez pas partir maintenant. Gabriel. Gabriel. Aïe. Embrassez-moi. Non, vous prenez pour qui? Vous croyez irrésistible à ce point-là? Je sais que je vous plais. Non. Gabriel, vous me direz quand même pour la naissance? Je pars à Biarritz quelques jours avec Charlotte. À Biarritz? Oui, chez sa grand-mère, maman. Elle est où, ma carte d'identité? C'est toi qui l'as prise? Mais tu sais que tu peux accoucher d'un moment à l'autre? Mais ça va, c'est dans 15 jours. Non, c'est de la folie, je te laisserai pas partir. Non, rends-moi ma carte. Non. Si. Tu me la rends. Non. Rends-la-moi. Non. Si. Tu non. Tu me la rends. Non, tu... La... Ah! Quoi? Ah. Que je prévienne Simon. Bonjour, c'est Gabrielle Meyer, je vous dérange pas? Non. Elle est née. Ah bon? Je vous appelle un peu tôt, là, non? Non, vous faites bien. Et ça s'est bien passé? Oui, très, très bien passé. C'est une fille. Ah, c'est bien, ça, une fille. Elle pèse 3,2 kg, elle mesure 51 cm. Et c'est grand, ça, 51 cm? Ah oui, c'est très grand. Elle s'appelle Louise. Je peux vous envoyer une photo, si vous voulez?
Ouais, avec plaisir. Bon, bah... À bientôt. D'accord. Au revoir. Au revoir. Merci. Mais non, je t'assure, elle a l'air tout à fait normale. Enfin, écoute, Guillaume, t'as vu la tête qu'elle a? Non, je suis certain qu'elle a un petit problème. On sait même pas dans quel sens la regarder. Mais c'est comme ça, les nourrissons. C'est brouillon, c'est chiffonné. Puis en général, plus ils sont moches à la naissance, plus ils sont beaux après, alors. Alors tout va bien, elle va être sublime. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marie. Ça me rappelle mes petits-neveux. Qu'est-ce que j'ai pu m'en occuper quand ils étaient bébés? Tonton Guitoune, il m'appelle. Et pourquoi toi, t'as pas d'enfant? T'aimes tellement ça. Il faudrait déjà que je trouve le père. Et puis pour moi, c'est compliqué. Toi, tu couches, et hop. Bon, alors. Déjà, mais si, ça, je m'en occupe. Oui, pas tout. Oui. Voilà, je suis contente que tu sois revenue. Ils sont tous malades en ce moment. Quand c'est pas la gastro, c'est la grippe. Quand c'est pas la grippe, bah, c'est la gastro. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour toi. Je les mets dehors parce qu'ils sont très forts, c'est une horreur. Tu veux que je le rentre? Laisse-le dehors, il n'est pas beau de toute façon. Ça avait raison, ça a l'air sympa. Très. Oh, j'ai une copine là-bas, je vais l'embrasser. Ok, retrouve-moi au bar. Faites là. J'ai une amie qui m'a amené. Et toi? Je travaille ici 3 soirs par semaine. Qu'est-ce que vous prenez? Champagne. 2 coupes. Ça pour tes études, de travailler de soir. T'as des bonnes notes? Ouais, ça va. Et la petite, comment elle va? Elle fait ses nuits, comme on dit? Quand est-ce qu'elle est née? Je sais pas, il y a quelques jours. T'as pas été prévenue? Attends, je vais te la montrer. Tu t'appeler quand même. C'est pas à moi de... Tiens, regarde. Ouais, moi aussi, je trouve qu'elle a une boule de tête. Pareil que ça veut rien dire. Moi, par exemple, j'étais un bébé affreux. Bon, bah... À Louise, alors. Dites, hey, vous pouvez partir, j'ai du travail. Écoute, tu pourrais pas faire un effort pour être un peu aimable, non? Je sais pas comment on se voit, tu... Cassez-vous, merde! Eh hey, non, ça va pas, qu'est-ce qui... Hey, excusez-nous, monsieur. Ça va. Bon. Désolé, monsieur.
Bah tu restes pas? Je t'appelle. Ciao. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you when I start to smile. Even though now you don't want to know me. Est-ce que tu me conseilles ça ou ça? I get on by. Ça fait 2 mois que tu lèves 3 fois par nuit. And I go the extra mile. These are the signs of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. Tu révises un peu aujourd'hui? Non, quasiment pas. Elle a pas arrêté de pleurer. Bah, va travailler maintenant si tu veux, je vais prendre le relais. Non, mais maman, c'est mort le bac. En maths, j'ai fait des impasses partout, la physique, j'ai même pas commencé. De toute façon, j'ai pas la tête à ça. Le mieux, c'est que je le repasse l'année prochaine. Ah non, hein, Claire, il faut que tu passes ton bac cette année. Hein. À 15 jours, c'est trop bête de laisser tomber. Mais ça va, je suis pas un an prêt. Mais si! Si, Claire, il faut que tu prépares ta vie, ton avenir! Comment tu vas faire si t'as pas de métier? Hein? Qu'est-ce que tu feras s'il m'arrive quelque chose? Comment tu feras vivre ton bébé? Tu as pensé à ça? Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend, là? Moi, je suis pas indestructible, Claire. Je suis pas immortelle. Hein? C'est quand même toi qui l'as voulu, ce bébé. Personne t'a forcé. Non, mais tu te rends compte un peu dans quelle merde tu t'es fourré? Merci. Excuse-moi. Je pars 15 jours à Biarritz pour aller réviser mon bac avec Charlotte. Même si ça me fait trop de peine de laisser Louise. PS, je lui ai donné son biberon de 6 heures. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Claire. Allô? Elle répond pas. Remarque, après ce que tu lui as dit, elle est pas prête de te répondre. En plus, moi au fond, je m'en fous qu'elle ait son bac cette année. Évidemment, le plus important, c'est qu'elle s'occupe de son bébé, on est d'accord. Je vais aller la chercher. Je lui dis que je regrette, que le bac on s'en fout, qu'il faut qu'elle vienne pour s'occuper de son bébé. Et la petite, tu l'emmènes? Non. Je vais la laisser à une personne de confiance. Ah, mais pas moi, hein. Parce que moi, déjà toute seule avec la pharmacie, je t'en fais pas. Je sais à qui je vais demander. Allez, là, putain! Là, derrière. Il est tout seul! Vous réveillez, là, les gars, hein? Joue! Allez! Allez! Bravo! Qu'est-ce que vous faites ici? C'est ton colocataire qui m'a dit que t'étais là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je dois aller à Biarritz pour chercher Claire, juste un aller-retour. Hein. Je prends le train ce soir, on vient demain, mais j'ai besoin de quelqu'un pour me garder le bébé pendant la nuit. Alors je sais bien que t'en veux pas, mais moi tu vois, je veux bien faire beaucoup de choses, sauf que j'ai pas 4 bras non plus. Hein. Faut bien que de temps en temps, chacun y mette un peu du sien. Elle s'appelle Louise. Oh,
toi. Ça va? Qu'est-ce que vous faites ici avec un bébé, vous? On discute avec Simon. Oui, bah c'est pas le moment, vous voyez bien. On a presque fini. Foutez-moi le camp, je vous dis, allez! Désolé. Allez! Jouez, les gars. C'est bon? Jouez, c'est bon. C'est bon, on y retourne, messieurs. Et voilà. Alors, le grand changement, c'est qu'on a mis toutes les chambres en rez-de-jardin. Ouais, c'est très bien, ça change tout. Oui, ça fait 3 semaines qu'on travaille dessus. Attends, bouge pas. Allô? Ah, bonjour. Oui. Oui, très bien, et vous? Oui. Et le bébé? Formidable. Non, c'est rien. Je suis ravi qu'elle vous ait plu. Là, tout de suite, rien de spécial. Avec plaisir, oui. Maintenant? Oui, où ça? Oui, oui. Oui, je note. 25 de là, tanné. D'accord. À tout de suite. Non, c'est très très bien, vraiment. Super. À demain. Bonsoir. Merci, il fallait pas. C'est hors de question! Comment vous voulez que je m'occupe d'un bébé? Je sais même pas comment c'est fait. Oh, c'est tout petit. Vous m'avez bien piégé, hein. Un petit dîner chez moi. Rue de la Tannée, en plus. Rien que le nom de la rue, j'aurais dû me méfier. Mais je vous ai préparé un petit dîner. Il est sur la table de la cuisine, avec un petit papier d'alu. Un petit papier d'alu? Ça aurait pu qu'à le réchauffer au micro-ondes. Ok, je vous le gagne. S'il vous plaît. Bon, là, vous avez toutes les consignes pour les médicaments, les horaires des tétés, le nombre de dosettes à mettre dans l'eau. Tout est bien indiqué, hein. Trop aimable. Bien rase, hein, les dosettes. Hein. Vous faites comme ça avec le doigt. Bon, le rototo, je crois que vous avez compris. Oui, enfin, j'ai compris. Ah oui, dernière chose. Quand vous la changez, hein, n'oubliez pas de bien la nettoyer entre les plis, parce que très vite, elle a des petites rougeurs. Les plis? Quels plis? Bon, laissez tomber les plis. Mais pensez bien à la changer après chaque biberon, hein. Bon, le prochain est dans une heure. Ça vous laisse le temps de... De quoi? Faut vraiment que j'y aille, je vais rater mon train. Quoi, déjà? Vous êtes un ange. Vous rentrez bien demain matin, hein? Guillaume, c'est Ange. Rejoins-moi tout de suite au 25 rue de la Tannée. Urgent, urgent, urgent. Deuxième gauche. Pas pleurer. Non. Pas bouger. Ah. Ça suffit maintenant. Ah. Je vais me fâcher. Attends.
fait là? Je suis venu garder la petite. Et toi? Maman aussi. Eh ben, entre. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle crie comme ça? Je sais pas, je viens d'arriver. C'est elle qui hurle comme une démente. Elle a peut-être faim, là. Mais non, le prochain biberon, c'est dans une heure. Moi, je tiens pas une heure comme ça. Hein. Tiens, prends la 5 minutes, là. C'est cette odeur, là. Va bouger. Vous êtes sûr que c'est pas trop chaud, là? Mais non, le problème, c'est que ça part pas. Il dirait qu'elle a bouffé de la colle. Il faudrait la frotter avec du savon. Hein? Là, là, le liquide vaisselle. Non. Voilà. Voilà. Bah quoi, allez-y maintenant, frottez. Ça va, ça va. Non, plus bas. Non mais merde, enfin écoutez, regardez ce que vous faites. Je regarde. Mais non. T'entends qui, Toon? Quoi? T'entends qui? Alors maintenant, on est toutes belles, on est toutes propres. On va pouvoir mettre son petit pyjama. Bon, alors, pour le pyjama, soyez bien attentifs parce que je ne ferai pas deux fois. Hein. On va donner la petite Mimi et le petit pied à petit pied. Et voilà. Petit pied mis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met? On met les petites pressions. Et oui, on met les petites pressions. Hein, voilà, comme ça. Il faut leur parler, ils adorent ça. Sur ce ton. Ben oui, bien sûr. On n'aime pas les grosses voix. Oh ben non, on n'aime pas ça, les grosses voix. Allez, tu viens? Voilà. Là. Alors, qui la prend? Tu t'en vas? Ben oui, j'ai un dîner. Mais à deux, vous devriez y arriver quand même. Allez. Hop. Au revoir, petite fille. Allez, un peu de cran, les garçons. Elle va pas vous manger. Le biberon. C'est l'heure du biberon. Elle a pas froid? Non, non, je crois pas. T'as faim? Ouais. Vous voulez légumes ou pizza? Pizza. Ah. Désolé. C'est pas moi qui fais le menu. Oh. Mais je préfère attendre qu'elle se réveille pour une fois qu'elle nous laisse tranquille. Ah non, 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 faut que tu manges. T'es en pleine croissance. Une cuillerée pour maman. Une cuillerée pour papa. Voilà. Vous trouvez pas ça bizarre que Claire soit partie à Biarritz sans laisser la petite? Heureusement que son père est là. J'espère seulement qu'elle est maternelle, c'est tout. T'as pas envie d'une bière?
pizza. Bon, d'accord. Laisse, c'est mon tour. Non, je tiens. Alors, va te reposer, je lui donne celui-là, je m'en vais. Moi, je préfère m'en occuper. Comme ça, au moins, je suis sûr que ce sera bien fait. La dernière fois, vous lui avez pas fait faire son rototo. Moi, j'ai pas fait faire son rototo. Ah, faut croire que non, elle a tout craché dans son lit. Bon, ok, je fais peut-être pas bien le rototo, mais je te signale que toi, tu l'as juste changé en dépit du bon sens. Je l'ai récupéré à 1h du matin, son pyjama était trempé. Je vous remercie d'être venu. Vous pouvez partir maintenant. C'est dommage que tu le prennes comme ça. Moi, tu vois, finalement, je suis content d'être là, de faire un peu ta connaissance. Pourquoi on va se revoir? Peut-être, si on se trouve des affinités. Quelles affinités? À chaque fois qu'on se voit, on se fout sur la gueule. Allez, partez maintenant. J'ai envie de rester seule avec ma fille. Bon, ben, je vais y aller. Je vous raccompagne. Il devrait pas le prendre sur ce ton, il est en train de tout gâcher. Mais non, c'est elle qui fait sa mauvaise tête. Je la connais, elle va pas lui pardonner comme ça. Mais non, là, non. Oui. Je me sens pas bien. Cette fois, j'y vais. C'est joli la mer. Regarde comme elle est belle la mer. Ah, regarde, ils arrivent. Papa et maman. Salut. Vous avez bien dormi? Ouais. Et toi, t'as bien dormi? Est-ce que toi, t'as bien dormi? Hein? Ça va, Louise? Mais oui, t'as l'air d'avoir très bien dormi. Comment ça va? On va aller voir la mer. On va voir la mer ou pas? Viens, avec papa, on va voir la mer. Elle grandit. Tu sais, je pensais à quelque chose pour la rentrée. Je pourrais lui laisser ma chambre et prendre la sienne. Parce que dès qu'elle va commencer à marcher, il va lui falloir de la place pour jouer. Mais en fait, à la rentrée, on va s'installer chez Simon. Avec Louise? Ben oui. Elle va rentrer à la crèche et moi je vais reprendre le lycée. Et tu sais, comme Simon a trouvé un petit boulot dans un resto, si t'es d'accord pour nous aider un peu, on devrait y arriver. Bien sûr. Je suis contente pour toi, ma chérie. Maman qui arrive. Je sais pas.
Bon bah ciao, hein, j'y vais. Je t'accompagne. Tu vas où finalement ? En Sardaigne. J'ai rencontré un mec, deux enfants, un comédien. C'est lui qui fait la pub pour Nespresso. Non, tu déconnes. Non, je te jure, à un moment donné, on le voit derrière Clooney, il se fait un café. Et toi, tu bouges pas ? Non, cette année, ça me dit rien. Enfin... Bon, allez. Bonnes vacances. Merci. Ciao. Parce que je suis fatigué. Très fatigué. La nuit, je dors mal et la journée, je lutte pour pas piquer du nez. Tout m'ennuie. Mon travail, mes amis, sorties. D'ailleurs, je sors plus. Ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai tout le temps envie de pleurer. Comme ça, sans raison. Là, vous voyez, je suis à deux doigts. De... Alors, je me dis que je dois manquer de fer ou de magnésium. Ou peut-être, je sais pas, une petite cure de sel minéraux ou bien un petit cocktail de vitamines. Ça pourrait peut-être suffire. Enfin, donnez-moi ce que vous voulez. C'est vous qui savez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes malade ? Ah non, 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 trois fois rien. Et vous, ça va bien ? Très, très bien. Et les filles ? En pleine forme. Vous savez que Claire et Simon se sont installés ensemble ? Ah bon ? Vous devez être contente. Oui. Et Simon, comment ça se passe avec le bébé ? Oh là là, si vous les voyez tous les deux, il adore sa petite fille, s'en occupe tout le temps, non ? C'est un père formidable. Bah, il a du mérite, hein. Surtout avec le père qu'il a eu. Enfin, plutôt qu'il n'a pas eu. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai ? Prozac ? Je fais une dépression ? Ne vous inquiétez pas, vous savez, je vais pas baisser les bras, je vais m'en sortir. Moi aussi j'en prends. Du Prozac ? Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, rien de grave. La vie, c'est tout. On m'avait dit que quand les enfants sont bons, c'est difficile, mais tant qu'on l'a pas vécu. Et puis on s'était jamais vraiment quitté avec Claire, alors maintenant qu'elle est partie. Mais Louise. On s'attache, hein. Mais oui, cette petite, je l'ai vue qu'une seule fois. Je m'en rappelle encore. Puis je me dis que la vie.
vous allez devenir vieille. Et moche. Vous allez rester toute seule. Comme une pauvre merde. Un peu. Et vous? Pareil. Je sais pas si c'est cet endroit, tous ces médicaments, mais... je sens que je vais déjà mieux. Ce soir, c'est moi qui cuisine. On va être combien? Tous les deux, pourquoi? Laisse. J'ai dit à Claire pour nous deux. Ah bon? Et? Elle était surprise, mais heureuse pour moi. Mais Simon? Elle attend le bon moment pour lui dire. Le bon moment? Je lui souhaite bien du courage. Hein, avec le caractère qu'il a. Quand est-ce que tu l'as oublié? Il y a un mois. Mais j'étais en fin de plaquette, je me suis dit qu'il n'y avait pas de risque. Tu l'as pas fait exprès, au moins? Mais non, enfin. Non, parce que... Ange, lui, va finir par penser que c'est une tradition familiale. Eh bien, je lui expliquerai. Et puis si vraiment il veut pas que je... Ça y est. Bon, et la chape, vous la collez quand? La semaine prochaine. Mais non, c'est trop tard, il faut la couler cette semaine, sinon elle n'aura jamais le temps de sécher. Oui. Bon, alors, vous la coulez quand? Oui, ça va? Oui, ça va. Je peux te parler, là? J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute! Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Je suis enceinte. Il propose de faire la chape vendredi. Mais je veux te forcer à rien, tu sais, si tu préfères, je... Ange. Ok, d'accord. On n'a qu'à faire comme ça. Bon. D'accord. Écoute. Je t'entends très mal, là. On se voit plus tard, ok?
tu t'embrasses fort. Oui, allô, je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Gaget, s'il vous plaît. Oui, aujourd'hui, si c'est possible. C'est très urgent, oui. D'accord, j'attends. Je reviens dès que je peux. Gabriel! Je pouvais pas attendre ce soir pour te voir. Il faut que j'y aille, j'ai rendez-vous chez le médecin. Déjà? Tu sais, dans ces cas-là, il vaut mieux pas trop attendre. Mais attends, je t'accompagne, j'ai ma voiture. Non, je préfère y aller à pied, c'est à 5 minutes. Ok. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que tu viennes. Mais pourquoi ? Mais parce que ça va pas être très drôle, tu sais, c'est... Justement, je prends ça très au sérieux. Non, écoute, vraiment, je préfère y aller toute seule. Alors, moi, je vais être là à chaque moment, à chaque étape. Je vais être sûre que tout sera bien fait, que tu seras bien suivie. Que tout sera bien fait ? Gabriel ! Gabriel! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est le bébé? Tu le veux plus? Bien sûr que je le veux. C'est toi qui... Qui quoi? Je suis comme un fou depuis ce matin. Tu vas voir avec ce bébé. Je serai présente toutes les nuits, tous les jours, tous les Noëls, tous les anniversaires. Je lui dirai des histoires. J'expliquerai la vie. J'apprendrai à jouer au foot. On est en avance, non ? 5 minutes. Peut-être qu'on devrait attendre un peu pour les laisser arriver en premier. Qu'est-ce qu'elle a dit, Claire, exactement ? Non, non, mais les mots exacts. Que Simon avait très bien réagi. Bon, il sera sans doute un peu tendu, mais si t'es calme et diplomate... Évidemment que j'ai été diplomate. Mais je sais ce que je vais lui dire, t'inquiète pas. Faut y aller, on va être en retard. Je me disais, pour le bébé, en fait, ça va lui faire seulement un an et demi d'écart avec Wiz. On pourra jouer ensemble. Mais oui, c'est vrai. Ça va être, hein? Ça va être quoi pour Louise, en fait? Son oncle ou... Ou sa tante, si c'est une fille. Enfin, sa demi-tante, pour être précise, puisque ça va être ta demi-sœur. Enfin, ce sera même sa tante deux fois. Enfin, sa demi-tante deux fois, puisque ce sera aussi la demi-sœur de Simon. Hein? Deux demi-tantes, ça fait une tante complète. Ouais. Enfin, sauf que pour être ma demi-sœur, il faudrait que le bébé et moi, on ait la même mère. Ou le même père. Et moi, comme chacun le sait... J'ai pas de père. Bah justement, je me disais que cette naissance, c'était peut-être l'occasion pour moi de te reconnaître. Toi aussi. Ah, merci. Mais
En fait, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors pour ça, il faudra d'abord qu'on fasse des tests ADN. Bon, il me faut des garanties. J'ai pas envie de devenir comme ça le fils du premier venu. Et puis quand ça se sera fait, et si c'est positif, ben, va falloir que je réfléchisse. Parce qu'au fond, est-ce que moi, j'ai envie de devenir votre fils? Moi, peut-être pas bien choisi pour parler de tout ça. Moi qui croyais faire plaisir. Parce que c'est censé être un cadeau. Pour qui? Pour moi? Simon, s'il te plaît. Peut-être vous pourriez en parler plus tard, tous les deux, hein, dans le calme. Tu crois pas, Simon? J'aimerais bien savoir ce qui, tout à coup, vous a décidé. C'est quoi? C'est la vieillesse qui arrive? C'est la culpabilité? Ou alors c'est juste l'envie de vous acheter une virginité avant l'arrivée du bébé? Arrête! C'est sûr que quand on veut jouer les papas formidables, ça la fout un peu mal d'avoir un enfant dans le placard. Je crois que les gens peuvent changer. Ah bon? On en reparlera. Quand il vous aura largué comme une conne avec votre gosse. Bon, maintenant, ça suffit, tu vas t'excuser, là. Non, mais je suis pas vexée, je t'assure. Je t'ai demandé de t'excuser. Mais puisque je vous dis que je suis pas vexée. Si elle est pas vexée, c'est pas... Qu'est-ce que vous allez me faire? Hein? Me donner une fessée? Juste te mettre mon poing dans la gueule. Oh, connard. Pardon? Vieux con! Bon, bah, merci pour le dîner, et puis, un de ces quatre. Hein. Simon. Viens t'asseoir. J'ai quelque chose à te dire. Si tu peux m'écouter 5 minutes sans monter sur tes grands chevaux. Je sais pas si t'es mon fils, et je m'en fous. Je m'en fous complètement. Parce que j'ai pas besoin de test ADN pour savoir que tu me plais. T'as pas que des qualités. T'es sanguin, t'es rancunier. Mais je sais pas pourquoi, tu me plais. Alors si jamais un jour t'en as envie, je pourrais essayer d'être un père. Pas ton père. Mais je sais pas, moi. Un complice. Un confident. Un ami. Mais bon, tu peux prendre le temps de réfléchir. Non, non. C'est bon. Je suis OK. Un coup.
un petit peu comme ça. Et on met la chemise. Une belle chemise blanche comme papa. Oh, regarde ça, comme elle est belle. Et ici, c'est beau aussi. Qui est-ce qui va être habillé comme papa? On va être pareil tous les deux, t'as vu, regarde. Pareil, exactement pareil. Tiens, regarde, on va s'asseoir ici comme ça. Absolument magnifique. Hop. On met la veste. Hop. Regarde comment on est bien. Un petit coup de peigne. Lolo, je serai le plus beau de la journée. Regarde-moi. Un petit bisou. Nous, on est prêts. Nous aussi. Oh, mais quelle est belle ma princesse. Qu'est-ce qu'il faut? Mais je sais pas, ils sont vraiment en retard. Allez, voilà. Bon, allez. On avait dit la demi. Allez, allez, on y va. Ouais, ok. Ouais, viens, ma belle. Oh, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah, on attendait plus que vous, hein. Désolé. Monsieur le maire. Bon. Maintenant que tout le monde est là, je voudrais vous dire que c'est avec une très grande émotion que j'accueille aujourd'hui Guillaume Robin et Xavier Collinet, qui ont décidé de se marier. Ok, pour la photo, s'il vous plaît. Ça va pas du tout. Ça va pas. Il faut que vous aligniez bien. Recevez-vous. Alignez-vous bien. Là. Ah, c'était pas bon. C'était bien, la cérémonie. Ouais, très bien. Très émouvant. Ça fait des plis, non? Qu'est-ce que tu penses, toi, du mariage? Du mariage gay? Non, le classique, le démodé, le truc à l'ancienne, un homme, une femme. Oh, c'est ringard, non? Ouais. Bon, on va y aller. Bien, pour la photo, souriez!